téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, gros bonsoir pour nous toutes. Jeudi à ce lundi 11 juin 2018 et bienvenue dans l'édition Nouvelle ça. Nous avons démarré le journal avec information qui concerne les conditions de temps et c'est le moment pour nous recevoir collaborateur non Winner Polydor. Bonsoir Winner. Lundi 11 juin 2018, si on peut dire, nous ensemble pour prévision météorologique là, on a vu comment la situation est sous pays, a gagné autant qui nuageux et on a vu qui ça qui fait ça. Nous avons un tropical nous qui trouve vraiment sous entre Haïti et Cuba, c'est-à-dire sous frontière, et on ça supposé traverser le pays d'Haïti au cours de journée et ça fait gagné autant qui nuageux au cours de journée sous tout département pays d'Haïti. Ça veut dire nous avons une possibilité pour gagner quelques averses la pluie, je dis à sous plusieurs départements et si tout région nord je dis concerné par activité la pluie et la pluie ça non seulement en fin de journée et en soirée département Antibonite le centre aussi département de l'ouest et le sud-est a concerné par avec la pluie ça pour jeudi et la pluie ça c'est en fin d'après-midi en soirée et même au cours de nuit là pour capitale c'est un capitale qui en bas instabilité et Jean Noël là encore la pluie avec un temps cap nuageux au cours de journée avec la pluie en fin d'après-midi et en soirée. Jeudi à température la montée à 34 degrés, la fait moins chaud par rapport avec semaine dernière et pour minimal là la descend jusqu'à 22 degrés Celsius. C'est une mer qui agité non seulement sous côte nord et côte sud pays d'Haïti. Nous des capitaines nos précautions avec prudence parce que non seulement gain la pluie avec l'orage sous région nord, visibilité a vraiment réduite et par rapport avec ça, il est supposé prendre précaution à l'entrée dans le fond de la mer. Et pour page astronomique, le soleil a couché jeudi à 7h26 et l'a levé le matin à 6h12. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité nous avec attention. Nous allons croiser demain pour notre page météorologique. Merci William Polydor et bonne semaine. L'autre information dans le journal là, Archives nationales, célébrée samedi 9 juin, Journée internationale Archives, sous thème Archives, gouvernance, mémoire et patrimoine. Cérémonie ça a déroulé dans Pétionville en présence de divers professionnels qui travaillent dans le domaine Archives. Mais vite au suivre, yon compte rendu avec Lunel Jean-Louis. Il y a plusieurs dizaines de professionnels qui travaillent dans le domaine archives et recherche qui étaient présents dans le cadre de la célébration de la Journée internationale archives. C'était l'occasion pour les professionnels de discuter sur la problématique archives dans le pays. Le directeur général archives nationales d'Haïti, Jean-Wilfried Bertrand, expliquait l'importance archives gagnées dans la vie sociale et politique du pays. Archives nationales ne recevoir versement contre toute institution publique depuis qu'elles ne servent pas de documents encore. Après un certain nombre d'années, on doit faire ça, oui, des versements réguliers dans l'archive nationale. Or, l'archive nationale a un problème d'espace, un problème de bâtiment. Il n'y a pas qu'à recevoir tout archive, ça, tout document qui n'a pas servi. Donc, tout document ça, depuis 60 dernières années, était dans l'institution. Lorsque nous considérons ce qui s'est passé, le tremblement de terre qui était fait le 12 janvier, nous avons imaginé qui état le document ça qui n'a jamais versé dans l'archive nationale en dans l'institution. On va passer tout côté dans tout ministère, même au palais national, pour que le document dans des conteneurs très mal conservés. Est-ce que génération par nous on a prêté pour nous garder, pour nous quitter le pays à vie amnésique, perdre mémoire? Les gens peuvent oublier l'histoire, les condamnés pour continuer à faire même erreur. Ces déclarations du directeur général archives nationales, Jean-Wilfried Bertrand, y ont l'autre bord souhaité pour l'État mettre campé un bâtiment qui répond à la norme conservation. Yo. Parce que l'homme ignore l'histoire ou condamné à répéter tout mauvais bagage qui a été fait. Donc, mes amis, et je dis à son cri d'alarme, n'a lancé un SOS à l'endroit de tout le gouvernement. Nous n'avons pas le droit de quitter le pays a perdu tout bagage ça. Yo. Si vous ne pas perdre, la condition sine qua non, c'est pour le gouvernement s'engage à doter les archives nationales d'un bâtiment aux normes. Coordonnateur général de l'Association nationale archives haïtienne, Antoine Césaire, qui était présent dans le cadre de la célébration, souhaitait gagner plus d'importance qui baille avec le métier archives dans le pays. Coordonnateur ANA a déclaré l'organisation après continuer le travail pour renforcer la capacité technique professionnelle archives à travers le pays. La profession d'archiviste est souvent mal comprise par ceux-là même qui ont la capacité ou la responsabilité de préserver et d'entretenir ce bien commun
mais surtout qui ont le devoir d'encourager ceux qui s'adonnent à la sauvegarde de cet incomparable témoin de l'histoire. La fondation de l'ANA découle de l'idée de continuer l'œuvre qui commençait à faire son chemin avec Assa. C'était dans l'année 1951, Archives nationales d'Haïti était venu membre du Conseil international Archives et puis participer pour première fois dans stage international archivistique STIA qui était créé dans l'année 1950. Toujours sous même dossier, directeur général Archives nationales d'Haïti, Jean-Wilfried Bertrand, ba explication sur les mesures qui doit prendre pour permettre tout citoyen de naître naissance à temps. Directeur général l'a souhaité, l'État mette plus bureau, officier état civil dans zone qui pire qu'il est, yon manière pour permettre tout citoyen d'avoir accès à service. Yon extrait dans le micro, Lionel Jean-Louis. Il y a à peu près 192 bureaux d'état civil, vous mettez tout dans la ville. Avec bouc, à cause que son pays de montagne, il y a. Faut le faire 50 km, 60 km pour venir faire une déclaration. Il n'y a pas venir faire. Et officier a tout pas déplacé pour arriver. Donc, résultat, nous avons actuellement là, plus de 3 millions de monde dans le pays qui n'ont pas gagné rien du tout. Et chaque jour, le nombre a augmenté, puisqu'on n'a pas un système d'enregistrement à la naissance. Il y a des petits monde qui continuent à faire, qui étaient sans baptiste. C'est. Un gros problème lié, ce n'est pas l'archive nationale qui a résolu pour compte lié. Pas oublier, l'archive nationale, c'est un receveur, c'est un dépositaire de registre. Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons faire job là. Job là, c'est ONI avec le ministère de la Justice qui vous fait. Nous-mêmes n'avons pas accompagné ONI sur le terrain pour que nous fassions deux bagailles. Alors, enregistrer tous 3 millions de personnes qui ne sont pas baptisés du tout, identifier et ensuite mettre un système. D'enregistrement à la naissance dans l'hôpital, ce projet Première Dame n'a rien, on a fait, nous pas le pilote qu'on y a là, mais nous faisons, il réussit. Avec nouvelle technologie, nous pouvons rapidement résoudre un ensemble de problèmes que le système n'a pas qu'on y a là. Il faut que nous ayons en pile courage parce que nous n'avons pas le changement, nous sommes résistants au changement, mais nous n'avons pas le choix. Il faut nous rattraper le retard. Nous avons de gros retards en matière d'identification des citoyens. Mes amis, si nous voulons vraiment engager un processus démocratique dans le pays, si nous voulons combattre l'exclusion, eh bien, il est impératif pour nous faire deux bagages à eux. Enregistrer et systématiquement tout haïtien, quel que soit côté lié, en dedans ou dehors du pays. Voilà, on va suivre l'intervention du directeur général Archives nationales, Jean-Wilfried Bertrand, dans le cadre de Journée internationale Archives. L'autre dossier, président de la République, là, Jovenel Moïse, rentré dans le pays hier dimanche 10 juin, après participation dans le sommet G7 là, qui déroulait dans le pays Canada. Chef l'État a rencontré plusieurs compatriotes qui vivent dans le pays Canada pendant le passage. Li. Président Jovenel Moïse a bail plus précision. Non, vendredi soir, me dérivé. Sans pas de poser, nous allons rencontrer la communauté haïtienne. Il y a deux gros soucis que la diaspora a. Le premier souci, c'est l'intégration dans ce qu'a fait dans le pays. Ça veut dire participation non seulement de supposer qu'il y a un droit, parce qu'en principe, c'est devoir seulement de la diaspora, parce que c'est les mêmes qui voulaient plus passer. 2,5 milliards de dollars dans le pays chaque année, mais doit pas respecter. C'est parce que nous connaissons la diaspora pour que j'aime voter pour les gens qui ont élu dans le pays. Je voulais parler pour Kazek, Azek, délégué ville, magistrat, député, sénateur, président. Parce que même gens ça fait dans tout le pays, ils n'ont pas gagné de bureau de vote. Dans le consulat, au côté pour y aller voter. Il y a plein de pile pour ça. Deuxième point, il y a plein de pile, c'est les affaires corruption. Il dit, il y a un pile, il faut qu'il fait. Et il y a que c'est graisse cochon, qu'il y a plus de cochon. Mais je dis, il y a pensé qu'il faut battre là, continuer. Et il faut battre là, il n'y a pas de côté. Ça veut dire, tout le monde, il faut nourrir nos situations, laisser l'argent à l'État. On nous a un côté, c'est pour le peuple, parce que l'argent l'État là pour dépenser pour le peuple. Le lendemain matin, je suis rendu dans Québec
dans une zone qui est le Charlevoix, côté qui est un château. C'est là que le Premier ministre Trudeau a choisi pour le faire une grosse rencontre G7 là avec le pays invité. Ce n'est pas Haïti seulement qui est invité. Il y a le Sénégal, il y a le Ghana, il y a le Rwanda, il y a le Seychelles, il y a le Bangladesh, il y a l'Afrique du Sud. Tout le monde a été invité, tout parce que c'est des gens qui ont des problèmes avec le réchauffement climatique. La discussion de Chita sur nous-mêmes, qui est le pays, je parle de présentation nous-mêmes, qui est le président CARICOM, et dans nos pays d'Haïti, tout. Nous avons dit le clair. C'est un coup que nous avons vu le proverbe créole l'a dit, nous pas manger poids et puis c'est nous cap bail la bière. Ce n'est pas nous qui gros pays industrialisés sur la terre, cap voyez gros pollution, qui a gros centrale nucléaire, gros usine, et pourtant, c'est nous-mêmes, je dis, qui payer conséquences gros pays salaud. Nous rencontrons Paul Kagame, nous rencontrons Premier ministre Norvège. Nous rencontrons un troisième président d'Afrique du Sud que nous parlons avec lui, qui était lui-même a travaillé en pile dans les affaires corruption, dans la lutte contre la corruption. Nous avons regardé pour nous qui, comment eux-mêmes travaillent, pour nous-mêmes, pour nous capables de garder le changement fait dans l'État, la réforme qui a fait dans l'État, comment deux pays nous sommes capables de chiter sur tout sur ça ensemble avec eux. Le président Kagame, très enchanté, lui-même. Parler nous deux pour nous être capables d'ouvrir relations diplomatiques, nous ne pouvons rien. Et nous avons mis les affaires étrangères à travailler sur ça. Et il était très content, il a pris l'information sur Haïti, il a dit même si quelqu'un t'en connaît, qu'il n'a pas réglé ici. Avec Caravane, toute qualité de travail, n'a pas fait l'argent, l'État, tout contrat contingent, venons gens. Ouais, bon, on était en genre gros, une petite, une sexy. Ça fait que je parle avec lui. Moi, je vois que franchement, nous-mêmes en Haïti, nous sommes en retard. Cette explication, président public, là, Jovenel Moïse, après participation dans le sommet G7, là, qui était déroulé dans le pays Canada. Responsable administration générale Droignyo saisi dans la nuit de jeudi 7 pour arriver vendredi 8 juin sur un bateau lac Azéi, plusieurs marchandises yo interdit rentrer dans le pays. Opération ça réalisée dans quatre batailles qu'a fait contre contrebande sous frontière Haïti à République Dominicaine. Nous invitons à suivre un extrait. Opération ça que nous filmer sans doute nous enregistrer après-midi là, c'est une opération qui coûte toute nuit là. Nous commençons depuis 10h du soir, nous finissons matin à 5h. Comme nous avons constaté, le contrebande qui s'est fait, il a utilisé tous les moyens pour être capable de détourner le contrôle de marchandises. Là, qui s'est noué, nous avons saisi les bateaux. Les bateaux sont là, nous sommes toujours. Tout le bateau est rempli de marchandises. Qui marchandises là-dedans? Nous avons des marchandises qui sont interdites. Par la loi, nous avons des œufs, nous avons des formes et nous avons d'autres marchandises encore. Mais les opérations faites comme ça, ça veut dire sécurité nation même les menace. Qui ça va entrer dans le bateau? Nous ne connaissons pas. Trafic ça, qui ça le permet, qui fait là, illégalement dans le pays, nous tous qui là, tout, nous ne connaissons pas. Ça, son preuve fragote que nous tous là nous gagnons. Nous, elle, marchandise au sorti dans le territoire voisin, ils ont utilisé moyens ça, ils ont utilisé des zones appropriées. Regardez où nous sortons de pour nous arriver là. Qui ça? C'est des camions qui prennent charger marchandises. Là, nous venons sur eux, ils courent, ils quittent les camions. Notre bande a impacté de manière négative sur l'économie du pays. Et pour me répéter mot pour mot, sa présidente de la République l'a toujours dit dans différents discours, la contrebande c'est un crime, la corruption c'est un crime contre le développement. Et contrebande là c'est un maillon de la corruption. En ce sens, depuis où c'est contrebandier, où sont criminels, et la place de tout criminel est en prison. Nous-mêmes, au niveau de l'État, nous lançons un signal clair, nous voulons un signal clair à tout contrebandier. Côté Olof, côté Manding, côté Serrer, côté Pulse,
côté chiite, côté sunnite, côté alaouite, quel que soit chapelle politique ou appartenu, l'État nous-mêmes nous dit n'a extirpé contrebandier. Dans le cadre d'une conférence pour la presse, porte-parole police nationale la France Lorbeau, by bilan événement qui était marqué mois mai passé. Intervention la police fait, monde qui est affecté dans quelques départements et puis parler sur résultat, ils ont ensemble enquête. Nous invitons à suivre un extrait. 23e anniversaire la police, nous avons ensemble des activités que nous avons menées. Nous avons un programme de dialogue entre le directeur général et les policiers. Il y aurait les lits, la parole aux policiers qui ont fait dans l'amphithéâtre École nationale de police, là à côté, m'a parlé avec. Tout ça entré dans le cadre festivité de commémoration du 23e anniversaire de la police. Le vendredi 8 juin, c'est le ça, c'est jeudi. Demain, ici, dans la direction départementale, là, il y aura une journée porte ouverte dans le local là, côté que la familiarité publique là, jeunesse étudiante, à organes qui en dedans direction générale là. Et la commence de 10h jusqu'à 17h. Donc c'est un événement quasiment tout public, mais qui est très éducatif et pédagogique pour tout le monde qui a venu. Samedi 10 juin, il y a un match dans Sainte-Thérèse là, à côté, entre la police dominicaine et la police et haïtienne. Le 12 juin, ça c'est jour, fête là même, il y a un mess d'action de grâce, et puis après, il y a un défilé sur l'esplanade. Et on dit nettoie avec les officiers. Pour suivre un dernier bilan police nationale d'Haïti, d'après porte-parole police nationale La France, Lerbourg. Ministère touriste y a un protocole accord avec l'école supérieure infotonique d'Haïti vendredi 8 juin. Si on tient à ça, après elle permet ministère à faire promotion pour ensemble site touristique et patrimoine qui n'ont pays à travers technologie information et communication. Un reportage à Rodney d'Orléans. Partenariat ça qui signé entre ministère touriste et l'école supérieure infotonique d'Haïti pour permettre monde divers côtés dans monde là gagner image et explication sur ensemble patrimoine pays d'Haïti gagné grâce à une option qui s'est réalité augmentée. En d'un projet ça tout gagne l'autre option qui c'est réalité virtuelle ça qui pourrait permettre yon moun quel que soit côté ouyé visiter site touristique Haïti. Donc nous avons ici une histoire et une culture qui est extrêmement puissante et intéressante, mais aujourd'hui nous devons moderniser et utiliser des outils beaucoup plus puissants que ceux que nous utilisons aujourd'hui pour en faire la promotion. Et c'est en ce sens que la ministre du Tourisme et son cabinet m'ont demandé de leur présenter quelques technologies que nous avons commencé à utiliser depuis un an et demi, deux ans, mais que c'est maintenant, je dois dire, qu'on commence à développer des compétences sérieuses dessus. Et je dois dire que très très rapidement, la ministre a non seulement compris les enjeux de ces technologies, mais aussi a commencé à réfléchir et m'a même devancé sur le type d'utilisation qu'on pourrait en faire et comment est-ce qu'on pourrait l'intégrer dans la promotion de notre patrimoine en Haïti. Haïti, c'est le premier pays dans le Caraïbe qui peut utiliser la technologie SAIO pour vendre patrimoine à site touristique, d'après le ministre touriste, Colombe Émilie Jessiménos. Le monsieur a été venu dans le bureau, je me songe ça très bien. En octobre, je prétends, bon, ok, je vais regarder si il y a une possibilité pour capable faire ça. Et vraiment, à mon grand étonnement, c'est ça qui était tellement marqué moi côté que l'homme parle avec monsieur Atier, me dit monsieur Atier que am besoin et font technologie pour capable ouais comment tu capable mettre citadelle sous pied et tout ça. Et à mon grand étonnement, vous me dit non sincèrement depuis 10 mois que comme des chita dans poste là, c'est première fois m'entendre un monde qui dit ça. Madame Ménos, ou pas besoin inquiéto, nous avons joindre cerveau en Haïti. Et ça t'est marqué tellement parce que tout le monde toujours a dit, ah, on a cherché mon, on a cherché mon l'autre bord, on ceci, on cela. L'homme dit, n'a pas fait une plateforme numérique pour nous faire promotion citadelle avec tout ce patrimoine historique et culturel que nous avons. Il dit, en Haïti, nous sommes capables de faire. Et là, automatiquement, moi, je dis, ah non, ça, c'est partenaire rêvé, moi. Et on dit que n'a pas capable de possibilité pour nous dire, si mon yo qui était lui-même, t'es passé dans l'école, lien tout, pour capable au moins travailler sous et système non, de façon que vraiment que nous capables et montrer à tout le monde sous la terre que révolution tranquille non, c'est pas révolution 1804 tant que m'a parlé là, ça sont révolution tranquille parce que nous sommes les premiers et journée jodi
Monsieur Atier fait ce deal, nous attendons l'encore. Ça, c'est la première fois que ça a fait au niveau de la Caraïbe. Nous défrayons la chronique, j'aimerais bien dire, je dis avant-hier tout, parce que ça, c'est la première fois que nous allons joindre. D'abord, que Citadel, lui-même, qui est patrimoine nous-mêmes, qui parle son réalité virtuelle, côté qu'on est capable d'entrer en dans salle, lui mettre un casque, et puis qu'on y a après ça, que le visiter Citadel là, virtuellement. Citadel La Ferrière, c'est le premier site ministère à mettre disponible à travers la technologie SAIO pour permettre aux gens de tous côtés dans le monde de visiter. Merci Audney ak Moïse. Responsable protection civile lancé officiellement saison cyclone 2018, je ne vais dire 8 juin. Délégué départemental Grand Anse-Lan Lens en Chile en Torchon, quoi sensibilisation, c'est un point important pour arriver à limiter des dégâts si toutefois tu as une catastrophe. Gérald Guillaume pour détail. Responsable protection civile dans Grand Anse lancé officiellement saison cyclonique 2018 l'an vendredi 8 juin en présence délégué départemental Grand Anse Len Chile Tochon, directeur départemental bureau déconcentré à diverses agences humanitaires à Kouandjé dans la région 1. Délégué départemental l'an fait quoi li salue courage et détermination acte humanitaire qui a intervenu dans la gestion risque et des assos pendant le rappelé engagement gouvernement Moïse Lafontaine prend pour accompagner population fait face carré à la saison cyclone qui est capable très actif suivant prévision météorologique yo. Toutefois délégué départemental la reconnaît malgré un peu d'efforts qui fait population pour qu'a fin monter ensemble défi ou agam a tout quitté population près 2 ans environ li rete quoi sensibilisation rete un moyen pour arriver à atteindre objectif yo qui c'est zéro mort. Coordonnateur technique pour l'élection civile Grand Anse-Lan, Watson Cledano Montino Bokote Pal, annoncé qu'il a continué à renforcer capacité à terre locale, communale et départementale pour l'élection civile, une façon pour accompagner la communauté. Si toutefois, il a frappé en bas de catastrophe dans la saison cyclone. Montino salue courage, brigadier et volontaire pour l'élection civile, l'hypercoué qui est un maillon important dans la chaîne gestion risque et désastre dans la région. Dans un moment catastrophe, les gens qui vivent avec un handicap ou bien tout le monde, c'est un secteur qui est toujours plus négligé. Pour raison ça, représentant bureau secrétaire d'État pour intégration monde handicapé en agendance, t'es profité faire une présentation pour sensibiliser acteurs qui étaient présents sur nécessité pour bailler une assistance, une attention particulière avant, pendant et après événement yo, pour permettre un monde handicapé yo arriver fonctionner comme ça doit. Jérémy Guillaume Gérald RTNH. Nous avons coup de pied dans le département Nord-Ouest. C'est samedi 9 juin passé, funérailles magistrat adjoint commune Port-de-Paix, Tony Vergniaud, chanté sous place cathédrale ville Port-de-Paix. Cérémonie ça a été déroulée en présence sénateur lui au nom Dieu, député fils Joseph, membre Amano, autorité religieuse avec plusieurs milliers de monde qui étaient sortis dans diverses communes dans le département Nord-Ouest. Marc Edi Osam a ban détail. C'est une cérémonie officielle qui était chargée avec émotion et un monde qui est capable de remarquer chagrin, regret dans le visage tout le monde qui était assisté funérailles ça. Comme quoi, magistrat Tony Vergniaud parti trop vite par rapport à l'étape étape menée dans la communauté. Campé sous des pieds, en bas en flamme soleil chaud, assistant yo, pas de manquer, pas témoigner appréciation yo avec magistrat Tony Vergniaud, même dans la molly, même Jean avec mairesse Yannick Agenor Auguste, yon nan membre conseil municipal pour le PA, te témoigner ça. Enfin, si couillère d'une soir, le glas a sonné, enfin, le dé en est jeté. Tu es parti, tenu dans le firmament pour un voyage sans retour. Seul le Tout-Puissant peut justifier en tout sens cette perte. Sénateur Louis Onondieu, qui était participé dans la cérémonie, ça, souhaité que l'autre petite Nord-Ouest qui engageait yo dans la bataille de fiant à mener pour changement communauté. Je dis, c'est pas un jour pour nous faire un beau discours, mais je dis, c'est un jour de réflexion. Parce que Tony parti jodi a, mais tout le monde nous met dans l'état département Nord-Ouest. Ça fait que nous besoin en pile l'autre Tony encore en dans le département. Ça pour nous sortir côté lui. La mort magistrat Tony Vergniaud, c'est un coup dur pour PIA d'après Fidel Monchéri, DG ministère intérieur. Le départ pour l'au-delà de cet homme politique et d'engagement représente une grande perte, non seulement pour sa commune, mais aussi tout le pays qui a besoin d'hommes fermes, droits, sérieux, honnêtes pour soutenir
tenir sa marche vers le développement. Représentant Association Magistrat Nord-Ouest, Joseph Christian mandé FENAM pour prendre disposition pour permettre non magistrat Tony Venio rester gravé dans l'histoire. Je requiers à la FENAM d'accepter l'idée que les municipalités créent des structures portant le nom de Tony Venio, rappelant ainsi à la génération future les qualités incomparables de ce grand homme. Port de Paix, Mok Edi Oussam, Antenne Télévision d'État. Roosevelt Jérôme, yon détenu qui gagne 36 l'année, mouri samedi 9 juin passé à la prison civile Gonaïve là. Jeune garçon ça qui était en prison pour incendie à voie de fait a suicidé tête li selon commissaire gouvernement Gonaïve là, maître Marie-Paul Claire Juste Valentin Exalus Mergena. Roosevelt Jérôme alias Koro qui gagne 36 l'année, c'est nous un prisonnier qui mouri dans prison civile Gonaïve là 9 juin week-end passé à. Jeune garçon ça qui gagne seulement 3 jours depuis le fermé dans prison Gonaïve là, t'a suicidé tête li d'après chef Marie-Paul Claire Juste Valentin qui confirme nouvelle là. Toujours selon commissaire Roosevelt Jérôme qui était condamné par contumace dans dernier assise criminel yo, qui est accusé dans un dossier incendie qui était fait dans commune Lester. Après ça, de fin t'a caché en République Dominicaine. Il était retourné dans commune Lester la Kaili côté il t'a pas impliqué dans l'autre zak qui était occasionné arrestation li dans date 6 juin passé. Depuis le ça, Roosevelt Jérôme t'a entamé en grève la faim qui provoquait la mort li d'après commissaire gouvernement Gonaïve là Marie-Paul Claire Juste Valentin. Il était impliqué déjà dans un dossier incendie. Vous connaissez incendie, c'est un fait criminel. L'issue au monde pas jamais joindre parce que il semblait il était jeté col Saint-Domingue. Donc quand il allait venir de toute bagaille, frère semblait lui retourner et de là il vient rentrer en altercation avec un monde dans zone qui c'est l'Esther. C'est comme ça il était arrêté pour faire ça, mais il était déjà un premier dossier qui t'attend. Donc nous même nous était déjà déclenché procédure contumace là contre lui. Et voilà que le cabinet d'instruction saisi de dossier et puis je dis là et il mourit. Mais il faut que moi dis nous tout depuis le que vous faites arrêter là pourvu que il connaît fait que vous êtes déjà reproché. Donc il est en 10 têtes lui, il pas prêté pour le purger peine. Depuis que il est entré dans prison, il pas jamais manger, il pas jamais boire, il pas jamais quitter de l'eau contre alcool même pour dire ni bien et même gel il pas me laver. Là nous te garder nous elle a perdu poids dans sens ça, nous te voyer l'hôpital. Donc l'hôpital te ba les soins que vous estimez qui nécessaire et puis on retourne là voilà que je dis en li mange pour qu'on y là cadavre Roosevelt Jérôme trouvé dans morgue l'hôpital la Providence Gonaïve là n'a fait remarquer selon commissaire gouvernement Gonaïve là il y a plusieurs détenus qui malade dans prison autorité yo placé yo dans une cellule spéciale pour qu'ab bayo soin ka yo nécessité. Exalus Mer Juna Gonaïve Télévision Nationale d'Haïti. Voilà, c'est sur information, ça n'en prend un coup de pause dans le journal là, pas déplacé, n'a pas tourné dans un petit moment. Dans le pays l'autre bord de l'eau, sommet G7 qui était déroulé vendredi 8 et samedi 9 juin, dans le pays Canada, mal fini. Suite à la décision du président américain Donald Trump pour augmenter les taxes douanières sur aluminium et acier. Nous invitons à suivre un reportage. Sommet G7 là qui déroulé dans le pays Canada dans la ville Québec finit sous tension après plusieurs discussions qui t'emmènent sous question commerce dans le cadre sommet ça. Dans un tweet, président Trump retire soutien. Le président américain Donald Trump menace allié lieu pour augmenter l'argent sous taxe. Chancelier allemand Angela Merkel inquiété principalement pour menace son importation machine yo puisqu'il y a un pile machine allemand à circuler dans le pays États-Unis. Président Trump prend décision ça après persistance premier ministre canadien Justin Trudeau qui déclare nouveau taxe li imposé sur acier et aluminium yo c'est manquer des gars. Dans le dossier sport, sélection féminine Pipiti passé 17 l'année a perdu hier dimanche l'an 3-2 devant l'équipe américaine l'an dans le cadre de la deuxième demi-finale, dernière phase éliminatoire, Coupe du Monde U17. Et puis à l'étranger, sélection Brésil l'a bien clôturé préparation libre pour mondial là. Côté libre battre Autriche 3-0 grâce à Gabriel Jesus, Neymar et puis Coutinho. Président public là, Jovenel Moïse rentré dans le pays à dimanche 10 juin après participation dans le sommet G7 là qui était déroulé dans le pays Canada. Chef l'État a été rencontré plusieurs compatriotes qui vivent dans le pays Canada pendant le passage. À l'étranger, pays Canada fait une action traite. Ces dernières accusations, les États-Unis après le sommet G7 là,
qui finit sans trop résultat suite à la décision du président américain Donald Trump prend pour augmenter l'argent sous taxe pour les gens qui peuvent rentrer à l'immédiat à Cassier. Et bien voilà, cela nous mettait bout dans le journal là pour jeudi. Merci pour fidélité ou attention. Nous invitons à être branchés Télévision nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bonne semaine tout le monde.